Yes, salut guys, on est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est aux sources à la Malbaie. On est présentement au chalet, moi et ma copine, et puis ça me tentait pas d'attendre jusqu'à 10h le matin pour faire de quoi. Fait qu'on prend le bike et on s'en vient rider le réseau des sources que je vous avais montré l'an passé. Donc, on va laisser des petites pistes que je ne vous avais pas encore montrées. On va aller avec celle-là ici, la Bain d'Adam, qui était en construction. Quand j'étais venu, il y avait une bonne petite partie de fête. Ça ici, une petite jump line, avec une belle petite surprise à la fin. Ça ici. Ah, c'est parfait pour se réveiller, ça. Ça ici. Je pense avoir une petite verte aussi à vous montrer qui est nouvelle. Je sais pas où exactement dans le réseau. On devrait bon trouver ça. Yep. Ça ici. La petite bascule. Et voilà. Bon petit réchauffement. Oh! Mon petit noir. Ça ici. Oh my god, un cannon! Fait que ça c'est nouveau, j'avais pas vu ça. Oh, c'est un double. C'est un gros double. Oh! Oh my god. T'as peu là. Expert seulement. Hey, je suis capable d'éclairer ça matin, moi. C'est long comment? C'est long. Ok, on va mettre un homme sur le dossier. Tu sais, le gars, il y a un café de prix, là, super chill, super tranquille. On va faire de la petite trail. Genre un double de 12-15 pieds. Ok! Des doubles de 15 pieds pour déjeuner. Nous autres, on aime ça à Freeride Québec. Ouf! Ça ici. Ok, ils ont construit tout fucking cool. Un autre double. Je pensais pas faire des gros hits comme ça pour déjeuner. Et en passant, si vous trouvez intéressant ce que je fais, vous pouvez vous abonner. Je vous compte comme ça à toutes les semaines où je mets ma vie en danger. Mais non, 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 pas tant que ça. Regarde, non, hey. Ça. Et. Hey, c'est une super belle petite adhésion, cette piste-là. Probablement la plus dure, j'imagine. Ça. Ça. Oh, oh that's cool. Ça. Frame. Danger, on aime ça, le danger, nous autres. Hop. Burp. Oh, j'ai manqué ça là. Danger saut, super. Un autre ici. Petite ligne bonus. Ah, on l'avait vu l'an passé, cette ligne bonus là. Ouais! Ok, elle est vraiment cool celle-là. La malveillante, je crois, si j'ai bien vu sur la pancarte. Ok, une piste à haut degré de risque. 8h19 le matin. Ah, c'est le fun, on remonte. Mais fais pas simple. Ça. On a carrément une jump line. Well. Spine ici. Le pire, tout se fait bien quand on a la vitesse. Regardez, je la fais blind, puis. Évidemment, waouh! Peut-être un petit peu plus d'expérience de mon côté pour faire ce genre de piste-là, mais une fois que tu as ton speed, tu le gardes. À part quand tu prends un mauvais virage comme je viens de faire avant. Ça! Voie facile pro line. Peux-tu faire ça de même? Ah!
puis elle merge avec l'autre. Oh, j'ai comme brun. Oh, that's cool. Je peux se prendre la Highline cette fois-ci? Oh, oui. Top, top, top. Du beau l'homme. Merci à mes frères Hope. Ah, puis ça relink avec. Ah, je comprends. Super cool. Ça de même. Tellement beau petit centre. Hop. Puis le pire, quand je suis venu rencontrer la gang l'an passé, évidemment, je ne sais pas trop à quoi s'attendre. Je suis comme, oh, ça va être un petit centre vert bleu facile. Mais non, il y a vraiment des pistes challenging. Puis, les pistes ont une bonne longueur, c'est ça qui est surprenant pour le peu de dénivelé qu'on a. Ça, ah, lui, j'avais pas réussi à le pogner tantôt. Il arrive quand même assez vite. Fait que là, on voit qu'on a eu beaucoup de pluie récemment. Ça fait qu'on a quelques virages qui sont un petit peu plus meubles, mais tout se fait bien quand même. On a les autres pistes qui arrivent sur la gauche. Ah! Ouh, elle fonce là, rapide! Ah! Fait que toute mon piste arrive ici. On a notre montée qui retourne par là-bas. Montée qui prend 10 minutes peut-être. 10-12 minutes, la petite grimpette. J'aurai une petite bleue qui s'appelle la ratoureuse qui ne me dit rien. On va aller voir par là-bas. Donc, petit bras ratoureuse. OK. Donc, une bleue. C'est ici. Là, il y a énormément mouillé dans les derniers jours. On voit que la terre est quand même assez gorgée d'eau. Mais les pistes restent quand même très belles. So, ça. Oh, il y en avait un autre que j'ai manqué. Oh, les lignes qui se croisent, c'est dommage cool. Ça ici. On continue la ratoureuse. OK, il y a comme un 3-4 options. Ah, ça, je m'en rappelle, oui. Ils ont vraiment fait un petit réseau et des petits switchbacks rapides, des petits changements de direction que tu t'attends pas. Fait que ça te pousse à rester alerte sur ton bike. Ça ici. Parce que les sources joyeuses, c'est un centre de ski de fond. C'est un petit dénivelé. Ça fait que soyez pas trop dans votre confort. Oh, ça va être facile. C'est... Non, non, non. Ils ont vraiment construit des petits switchbacks de même qui demandent d'être assez alerte sur le bike. Je me rappelle quand j'avais suivi la gang, j'avais trippé de voir le genre de vitesse qu'on peut prendre ici. Elle, je me rappelle un petit peu moins. Il faut que je me garde une gêne. Ouais, dernière section. Ça. On va avoir de quoi à gauche aussi. OK, une genre d'option plus facile. Yep. Wow! Perdu le devant. Ouais, j'ai l'impression que je suis moins rapide que l'an passé. Surtout que je me rappelle pas bien bien la piste. Hein? Oh! 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 Pour vrai, il y a des gros sauts dans ce bois-là. Ah oui, je me rappelle bien. Les côtés sont proches, le plafond est proche, puis t'as des sauts assez kicker qui peuvent te surprendre énormément. Je viens de croiser la gang des locaux, j'ai jasé un petit peu avec eux autres, ceux que j'avais roulé l'an passé. On a jasé un petit peu, super le fun. Fait que de mon côté, je vais retourner faire une que j'avais bien aimée l'an passé, qui est la Enduro. Et elle
va finir dans la Cassonade, si je ne me trompe pas. Alors, danger, saut, c'est parfait. On est là pour ça. Ça ici, enduro à droite. Ok, fait que les deux se séparent. Ça ici. Wow! T'as des estifs de bons sauts dans cette forêt-là, pour vrai. Ça. Ça ici. Oh, une section de fermée à droite. Faut une petite préparation suite à la pluie. Ça ici. Ouah! Ça, on va l'éviter pour bien pogner le virage. Voilà. Je l'ai pas passé par là. Oh! Parlant du loup, on est en avant. Yes! Ouais, hey, t'étais là? Oui! J'ai pas. Okay. Oh, oui, oui! Ben, on va faire un petit cassonade à gauche avec Matt. Ouais, ouais, ouais! Matt Desbiens en avant, chemin du Mont-Saint-Anne. Gauche! C'est à droite, ça! C'est la gauche! Bon, ben, c'est à lui de me rattraper à cette heure. Il devrait être capable. Yeah, voilà! Perdu le pèse un peu, là. Ah, je passais par ici tantôt. Ben oui, non, non. Fait que ça va être un doublon, désolé. C'est des choses qui arrivent. Voix difficile. Oh, ça l'a pas coupé tantôt. Si t'es concentré, les choses passent proches. Yep! Ah, j'ai encore manqué ce saut-là, fuck! Hé, c'est quand même gros, ça! Évidemment, avec l'effet GoPro, vous allez pouvoir voir, mais... c'est quand même steep, c'est quand même des gros sauts!
pour cette forêt comme ça. Et je crois que ça va être la fin. Oh, le guidon était large, j'ai-tu pété mon guidon?